Donc, bonjour Paul, Bonjour. ceci est la dernière conférence pour la Track Lille. Donc Paul est un habitué des scènes de l'open source, longtemps contributeur et core team member du logiciel Drupal. Il s'est ensuite spécialisé dans Symfony. Alors qu'il s'agisse de bundle Symfony ou de librairie PHP, Paul n'hésite pas à partager son travail avec la communauté. Aujourd'hui, il vient nous présenter sa Lazy Collection. Mesdames et messieurs, Paul. Merci. Alors, on enlève le masque et on commence. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une librairie que j'ai écrite il y a 2 ans qui s'appelle Collection. Donc, on va parler d'évaluation et de collection paresseuse, donc de Lazy Collection et de Lazy Evaluation en anglais. Et c'est parti. Voici le programme d'aujourd'hui. Donc, je vais d'abord commencer par pourquoi l'écriture d'une telle librairie. Ensuite, je vais expliquer un petit peu le but, le principe d'une collection. Pourquoi on a besoin de collection. Je vais aussi parler inévitablement des types d'évaluation et de la collection qui nous intéresse aujourd'hui, celle que j'ai écrite. Et on va terminer par un mot de conclusion, un mot de fin. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi je fais ce talk aujourd'hui? Pourquoi on va parler de collection? D'où ça vient tout ça? Quelle est l'origine de cette recherche que j'ai faite? Donc, ça a commencé il y a plus ou moins 2 ans, lorsque, à chaque fois qu'on utilise Composer et qu'on fait Composer Install, eh bien, on voit cette ligne apparaître dans la console et on se dit, mais tiens, mais pourquoi on a besoin de ce package? Il est tout le temps là, il est très souvent là d'ailleurs. D'où ça vient? Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu pourquoi c'était là, à m'intéresser un peu à ces packages. Mais ce qui a été vraiment le déclencheur, ça a été une pull request sur le projet Laravel par Joseph Silber qui a implémenté une collection Lazy dans Laravel. Et donc ça a été vraiment le déclencheur qui a fait que je me suis dit, ben voilà, en voyant ça, je pense que je pourrais écrire un package qui pourrait éventuellement améliorer ou ajouter des fonctionnalités. Et donc ça a été vraiment l'élément déclencheur. Donc les motivations, elles étaient totalement personnelles, tout simplement par envie d'apprendre et d'expérimenter. M'aider à mieux comprendre tous ces nouveaux principes que je n'avais pas vus parce que, en même temps, j'ai pris l'initiative d'apprendre un nouveau langage fonctionnel tel que le Haskell et simplifier l'utilisation de ces concepts et, bien évidemment, corriger un manquement. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a une solution. Si on voit tout le temps le package Doctrine Collection, bah, c'est qu'il y a un besoin. Alors, certains pourront dire, mais attention, pourtant, on a déjà tout en PHP. Pourquoi on aurait besoin d'un tel package de collection? Après tout, on a des fonctions natives qui sont propices à l'itération, telles que les fonctions qui commencent par array underscore. On en a 52 de disponibles, plus ou moins. On a array map, array filter, array reduce, array walk, pour ne citer que les plus courantes, mais on a aussi iterator to array. Alors, on a aussi des structures natives qui sont propices à l'itération, telles que les tableaux, les arrays. On a aussi les objets, Array Object, et les objets implémentant les interfaces Array Access. Et on a bien évidemment les itérateurs. Alors, on a d'autres structures telles que les boucles for, les boucles for each, les boucles while, les boucles do while. Je pense ne pas en avoir oublié. Oui, mais, alors, oui, mais, on a tout ça, mais pourquoi on a toujours besoin d'une collection? Eh bien, on sait que dans ces fonctions en PHP, il y a des incohérences. Et je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, on n'aurait pas le temps, mais il y a des incohérences quand on utilise ces fonctions et je vais un petit peu les expliquer. Par exemple, ces fonctions, elles ne fonctionnent uniquement que pour les arrays. Donc en PHP, nous avons plusieurs structures itérables. Malheureusement, ces fonctions ne fonctionnent que pour les arrays. L'ordre des arguments, ben, il est toujours un petit peu problématique. Par exemple, lorsqu'on utilise array map, on ne sait jamais si le collabel vient avant array ou bien après. C'est la même chose avec filter. Moi, ça fait des années que je les utilise. Je suis toujours obligé de regarder dans la doc pour essayer de savoir le bon ordre et de ne pas me tromper. Alors, il y a une inconsistance des paramètres qui sont passés aux callbacks, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Il n'y a également pas de vérification des types, ou du moins très peu. Et les performances, elles pourraient être améliorées. Alors, tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, eh bien, c'est qu'un array, c'est composé de couples de clés et de valeurs. Ces clés sont uniques et doivent être uniquement de type integer ou bien string, tandis que dans les valeurs, il n'y a pas de restriction ni sur l'unicité, ni sur le typage.
Donc, on va voir un exemple avec ArrayMap pour le moment. Donc, voilà. ArrayMap, voici sa signature. Ça prend un paramètre callable et un paramètre de type array et ça retourne un array. Donc, le callback, c'est un callable qui n'accepte qu'une seule valeur, la valeur sur laquelle on itère. Donc, cette valeur, l'ensemble des données data ne peut être que de type array et retourne un array, comme je l'ai dit. Alors, moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Pourquoi la clé, elle n'est pas passée au callback, alors qu'une donnée dans un tableau PHP, eh bien, on a à la fois la valeur et la clé. Pourquoi ça ne fonctionne que pour les arrays? Pourquoi ArrayFilter nous permet de le faire? En effet, quand vous utilisez ArrayFilter, vous pouvez soit spécifier d'envoyer la clé, soit la valeur, soit les deux au callback. Pourquoi? Moi, j'ai toujours plein de questions par rapport à ces fonctions et je trouve ça complètement incohérent dans PHP. Bref, on sait que PHP, ce n'est pas parfait, mais qu'il va bientôt l'être, hein, n'est-ce pas? On a l'habitude et donc on ne fait plus attention. Mais cela ne nous empêche pas de construire de belles choses malgré tout. Alors, chapitre 2, les collections en général. Donc là, je vais toucher un petit mot aux collections, expliquer pourquoi elles sont utiles et l'état des lieux. Allons-y. Une définition simple d'une collection, c'est une structure unifiée pour représenter un ensemble de données. Elles permettent de faciliter les manipulations indépendamment de ce qu'elles contiennent, de réduire l'effort tout en améliorant l'accessibilité et la lisibilité du code, favoriser l'interopérabilité et la réutilisation. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça existe déjà, on a déjà vu toutes ces collections et on n'en a pas vraiment besoin, on a Doctrine Collection, je pense que c'est le plus répandu, on a Voku Array aussi, ce sont des packages disponibles sur GitHub, on a le Nikik Iter par Nikita, on a également une collection dans le framework Laravel, aussi dans le framework CakePHP. Bon, ça, c'est pour n'en citer que quelques-unes. Il y en a encore plein d'autres. Pourquoi on a besoin de ces collections? Ben, comme je l'ai expliqué, c'est pour unifier la manière de travailler avec des ensembles de données, pour optimiser les algorithmes qui sont utilisés à l'intérieur, pour faciliter l'emploi de certaines fonctionnalités. Un exemple de code de collection. Alors, la collection que vous voyez ici, c'est celle du chapitre 3, un peu plus tard, celle que j'ai écrite. Et vous voyez que lorsque vous lisez ce code, en fait, c'est très intuitif et c'est vraiment très facile à comprendre. Ben, ici, à la ligne 3, on déclare un tableau. À la ligne 5, on injecte ce tableau dans la collection. Et ensuite, on applique deux filtres. Donc, le premier filtre va prendre les numéros qui sont plus grands que 97. Le second filtre va enlever les numéros plus grands que 122. Le troisième filtre va convertir ces numéros en chaîne en caractères. Le quatrième mapping à la ligne 9 va transformer ces caractères dans leur version en majuscule. Ensuite, nous allons mélanger le tout et prendre uniquement les trois premiers résultats. Et donc, vous voyez, lorsque vous lisez ça, c'est un petit peu comme si vous lisez une recette un peu de cuisine. Vous avez chacune des lignes qui correspond à une opération et c'est vraiment très simple à comprendre. L'avantage aussi de l'utilisation d'une collection, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer un array comme donnée d'entrée, vous pouvez passer tout type de valeur. Ici, cette librairie de collection accepte tout type d'itérables, des arrays, des itérateurs, des arrays objects, peu importe. Alors, quels sont les avantages? Comme je l'explique, c'est facile à lire et à comprendre, c'est intuitif et simple. Et bien évidemment, vous pouvez bénéficier de l'autocomplétion dans votre environnement de travail, Codeium, PHP Storm, etc., etc. Alors, l'état des lieux actuel des collections dans le monde PHP, ben, c'est que la plupart sont des wrappers de fonctions natives PHP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien, la plupart, elles vont juste réutiliser les fonctions natives de PHP dans une classe. Et voilà, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ça va juste faciliter l'accès à ces fonctions, mais ça ne va rien apporter de neuf. Donc, la plupart ne fonctionnent qu'avec des arrays et la plupart ne permettent pas de gérer plus de données que les fonctions natives. Ce qui serait vraiment bien, par contre, c'est qu'une collection puisse pouvoir gérer autant de données que l'on souhaite. Qu'une collection devrait nous fournir plus de fonctionnalités que celles que nous avons par défaut. Et une collection devrait gérer les différents types d'itérables. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Alors, avant de continuer sur les collections, je vais devoir faire une parenthèse sur les types d'évaluation, traditionnelles ou paresseuses, parce que c'est quand même
le titre de cette présentation, c'est Lazy Collection. Donc, je vais vous parler un petit peu des types d'évaluation en PHP. Allons-y. Donc, nous avons à l'heure actuelle deux types d'évaluation en PHP, l'évaluation traditionnelle et l'évaluation paresseuse. Alors, la traditionnelle, c'est via une simple assignation. La paresseuse, c'est aussi via une assignation, mais il y a un callback qui rentre en jeu et qui vient modifier un petit peu le comportement. Et on va voir tout ça ensemble. Alors, ici, une évaluation traditionnelle, un exemple. Ici, je vais assigner la chaîne de caractères à une variable, tout simplement. Ici, je vais assigner le résultat de la fonction range à une variable. Mais ici, il y a un petit couac, c'est que lorsque je vais exécuter ce code, eh bien, on va avoir une erreur. Mais c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer après, par la suite, comment on peut éviter tout ça. Alors, ici, une solution serait de, par exemple, pour éviter l'erreur, eh bien, ce serait de wrapper l'appel de la fonction range dans une closure, dans un callable, dans une fonction, dans une lambda, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler un tunc. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc, un tunc, c'est un conteneur. C'est un callback avec une plus-value sémantique en termes de précision. C'est l'expression d'une valeur qui est en attente d'évaluation. C'est une fonction qui enrobe une expression pour postposer son évaluation. Et l'origine de ce terme, c'est né comme une version humoristique du passé du verbe anglophone penser qui est to think. Donc voilà, le tunc par rapport à un callback, ça a juste une valeur sémantique en plus. C'est en gros, voilà, j'ai une valeur qui attend juste d'être évaluée et qui va retourner quelque chose. Prenons l'exemple ici, à nouveau, avec mon fameux range qui a causé une erreur fatale tout à l'heure. Eh bien ici, je vais l'enrober, je vais le mettre dans un tunc et je vais exécuter ce tunc. Mais bien évidemment, je vais toujours avoir la même erreur. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert alors les tunks? Là, on est un petit peu perdu, on se dit à quoi ça sert vraiment de faire ça? Ça ne sert à pas grand-chose pour le moment. Donc, on va récapituler. Un tunk, c'est un callable qui fait office de conteneur. Il est utile pour retarder l'exécution d'un morceau de code. Il est pratique pour les données scalaires. Mais il n'est pas la solution magique à tous les problèmes. Ben, et alors, pour les collections, on est venu ici pour les collections. Qu'en est-il? Eh bien, est-ce qu'il existe un moyen de faire une évaluation paresseuse sur un ensemble de données? Une sorte de tunc qui pourrait itérer sur les éléments d'une collection et renvoyer ces éléments un par un sans jamais évaluer le résultat dans sa globalité. Alors, vous l'avez deviné, bien évidemment, ça existe et ça s'appelle les itérateurs. Bien évidemment, dans les itérateurs, il y a la catégorie des générateurs et j'y reviendrai aussi par la suite. Alors, si on reprend notre exemple de tout à l'heure et on aimerait utiliser notre fonction malgré tout, on aimerait essayer de la faire fonctionner, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? Eh bien, on va toujours avoir notre fatale erreur lorsqu'on va essayer de faire une itération. Comment transformer ça dans un itérateur ou un générateur, peu importe pour le moment? Eh bien, il faut écrire la fonction soi-même. Et donc ici, j'ai écrit une fonction qui s'appelle xRange, qui est en fait l'équivalent de la fonction range, mais sous forme de générateur. Donc ça veut dire que cette fonction ne va jamais créer un tableau qui contient 1000 millions d'éléments. Il va juste s'occuper d'un élément à la fois et retourner la valeur une fois qu'il est calculé. C'est d'ailleurs à la ligne 10, vous avez le mot-clé yield, qui vous permet d'ailleurs de substituer un return. Donc la valeur va être retournée à la plan. Et une fois qu'on va redemander une valeur à la fonction xRange, eh bien, il va continuer la boucle là où il s'était arrêté. Donc c'est une fonctionnalité très puissante, c'est une fonctionnalité vraiment super intéressante du langage PHP et je vous invite vraiment à la découvrir chez vous. Alors, si on veut réécrire l'exemple à partir de la ligne 15 avec le xRange, eh bien, ça s'écrit exactement de la même manière que pour l'évaluation traditionnelle, sauf que ici, ça va fonctionner. Vous n'allez plus avoir d'erreur de mémoire. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors, ArrayFlip, on va prendre un autre exemple. Alors, vous connaissez probablement la fonction native de PHP ArrayFlip qui vous permet, dans un tableau, de remplacer les clés par les valeurs et de remplacer les valeurs par les clés. En gros, ça fait un flip de ces données. Eh bien, il va se passer quelque chose de bizarre. Je vais vous schématiser un petit peu les opérations ici, mais avant de schématiser, je vais vous expliquer ce que j'essaye de faire. Imaginons que nous avons des données en entrée, en input, et nous aimerions appliquer
deux fois la fonction ArrayFlip. Donc, si j'applique une fois la fonction flip à un tableau, ça va inverser les clés et les valeurs. Mais si je le réapplique une deuxième fois, eh bien, je vais revenir à l'état initial. On va voir ça ensemble. Voici le schéma d'exécution du double appel à la fonction flip. Donc, au début, nous avons un tableau contenant trois éléments indexés numériquement. Si j'applique la première ArrayFlip, le premier appel à ArrayFlip, eh bien, voilà le résultat. Si je l'applique une deuxième fois, eh bien, j'ai ceci. Jusque-là, tout va bien, tout est tout à fait normal. La fonction ArrayFlip fait son travail. En gros, elle flippe les éléments d'un côté et de l'autre. Mais alors, attention, si maintenant, nous avons un tableau un peu différent, donc il est presque le même que le premier, sauf que ici, j'ai deux fois la lettre A dans les valeurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La première fois qu'on va lancer ArrayFlip, eh bien, il va essayer de remplacer les valeurs par les clés et les clés par les valeurs. Le problème, c'est qu'en PHP, on a une contrainte d'unicité sur les clés des tableaux. Elles ne peuvent être qu'uniques. Et donc, on va se retrouver avec une valeur qui a été perdue en chemin. Donc là, déjà, il y a une incohérence avec la fonction flip. Et si on réapplique la fonction flip à nouveau, eh bien, on se retrouve avec un tableau qui n'a plus que deux éléments. Alors, certains pourront trouver ça astucieux et se dire « Ah, ben, c'est une très bonne manière de dédupliquer un tableau ». Et en effet, c'est une manière de dédupliquer un tableau, bien qu'il y ait la fonction ArrayUnique pour ça, mais ça fonctionne très bien, ça aussi. Cependant, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci ? Ici, j'ai un nouvel exemple. J'ai un tableau de tableaux. Si j'applique la fonction ArrayFlip sur cette donnée d'entrée, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, PHP va se dire « Tu essayes de mettre sous forme de clé une donnée qui est un tableau, et là, ça ne va pas. » Vous allez avoir une erreur instantanément. Alors, maintenant, on va refaire ces exemples, mais en utilisant l'évaluation paresseuse. Allons-y. Donc, on reprend notre exemple du début avec A, B et C. Et lorsque je vais appliquer de manière paresseuse ArrayFlip, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ArrayFlip va uniquement s'appliquer sur le premier élément du tableau. Allons-y. Donc, au début, on va avoir le A qui va être inversé avec le 0 et non plus la globalité de mon tableau. Et ensuite, ArrayFlip va laisser la main au suivant, qui est un second ArrayFlip, qui va retourner à nouveau la donnée. Donc là, jusque-là, ben, tout va bien. Puis ensuite, on continue à itérer. Qu'est-ce qui se passe ? On passe au suivant. On continue à itérer. On passe au suivant. On continue à itérer. On continue à itérer. Et au final, on se retrouve avec le même tableau que l'origine. Donc jusque-là, tout va bien. Mon évaluation paresseuse d'ArrayFlip fonctionne bien. La fonction que j'ai écrite pour le faire, ça va bien. C'est correct. Passons à l'exemple suivant. Ici, j'ai bien deux fois la lettre A dans mes données d'entrée et je vais exécuter un premier lazy array flip. Et là, il s'occupe de A et de 0. Ensuite, il le retourne à nouveau. Il passe au suivant. Il le retourne à nouveau. Et là, magie, eh bien, ça fonctionne, en fait. Ici, le fait d'utiliser un lazy array flip, eh bien, ça nous permet d'avoir des clés qui ne sont plus uniques. En gros, le fait d'utiliser des évaluations paresseuses, eh bien, on se passe des contraintes sur les clés des tableaux. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et donc, ici, vous voyez, on retrouve le tableau original que nous avions. Et ici, encore une fois, pour vous montrer qu'on a passé toutes ces contraintes de typage dans les tableaux PHP, si vous avez un tableau de tableaux et que vous faites à nouveau deux fois ArrayFlip, eh bien, vous n'allez pas avoir d'erreur. Vous pouvez même avoir des clés sous forme d'objet, sous forme de booléen, sous forme, peu importe le type, ça va fonctionner. Et donc, vous retrouvez bien le tableau d'origine. Alors, comme je vous le dis, l'évaluation paresseuse, c'est vraiment que du bonheur. Et juste pour les curieux, voici la version du Lazy ArrayFlip que j'ai utilisé pour les exemples. Eh bien, contrairement à ArrayFlip de PHP, le premier paramètre de cette fonction, ce n'est plus un array, mais un itérable. Et le type de retour de cette fonction, ce n'est plus un array non plus, mais bien un générateur. Et une fois que je rentre dans la fonction, j'itère sur cet itérable et je fais un yield de la value et ensuite seulement de la key. Et ça nous permet de faire un lazy array flip.
L'exemple que vous voyez en dessous, c'est comment transformer ce double appel à Lazy Array Flip en tableau. Voilà. Alors, on récapitule. L'évaluation paresseuse, les itérateurs, générateurs, etc., etc., c'est par défaut paresseux, bien évidemment. Ça vous permet d'itérer sur une collection. Ça vous permet de facilement dissocier les clés et les valeurs et de lever les contraintes liées au tableau PHP. Ça vous permet de corriger des incohérences précitées. Et bien évidemment, c'est à utiliser en connaissance de cause. Donc oui, comme je vous l'ai expliqué, lorsque vous écrivez un générateur, ne vous attendez pas à ce qu'il vous retourne le résultat global dès le premier appel. Vous devez itérer ou bien utiliser une autre fonction pour récupérer tous les résultats d'un coup. Alors, maintenant, on va passer à Loop Collection. C'est la librairie que j'ai écrite et qui est une collection paresseuse, bien évidemment. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, les motivations quant à l'écriture de cette librairie. Je l'ai écrite tout simplement par curiosité et par envie d'apprendre. Il n'y avait pas de but derrière. C'est vraiment pour garder mon niveau de développement et de PHP à jour et tout simplement parce que j'aime bien ça. Ensuite, ça a été fait pour comprendre et mettre en pratique des concepts appris dans d'autres langages fonctionnels tels que Haskell et OCaml. Ça a été aussi écrit pour propager ces concepts et les rendre facilement accessibles à tout un chacun et pour favoriser l'interopérabilité et l'éco-informatique. Alors, une petite parenthèse sur l'éco-informatique, je ne sais pas si ce terme existe vraiment, mais voici un article que j'ai lu et qui m'a un peu choqué. Donc, les chercheurs du Centre for Energy Efficient Telecommunications et des laboratoires Bell ont montré que les technologies de l'information produiraient plus de 830 millions de tonnes de CO2 chaque année. Une telle quantité de CO2 équivaut aux émissions de l'industrie aérienne. C'est énorme. Et je me suis dit, pourquoi avoir 36 librairies qui font la même chose? Peut-être que si on en avait une, mais qui le faisait bien, peut-être qu'on contribuerait un petit peu à réduire toute cette empreinte sur la Terre. Un autre exemple ici, sur le blog de Julien Poli. Je fais du vélo le matin, je ne voudrais pas respirer la poussière générée par les data centers fonctionnant si mal avec des algorithmes, car on se donne entre les mains un pouvoir qu'on ne maîtrise pas. Alors, cette librairie de collection a été écrite il y a 2 ans, elle est open source, elle est disponible sur GitHub. Elle a été disponible d'abord pour PHP 7.1 et maintenant elle est disponible pour les versions minimales de PHP 7.4. Elle a été commencée en août 2019. Il n'y a pas de dépendance. C'était important pour moi de ne pas mettre de dépendance, c'est juste du pur PHP. À l'heure actuelle, il y a plus ou moins 800 commits. Alors, ça peut paraître un peu beaucoup, c'est juste que ça a tellement évolué en 2 ans et j'ai tellement réécrit certaines parties, il y a énormément de commits, mais voilà. Elle est entièrement paresseuse, totalement. Il y a plus ou moins 85 méthodes disponibles. Alors, ces méthodes, ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser lorsque vous utilisez cette librairie et qui vont s'auto-compléter dans votre IDE. Et ces méthodes, elles vivent à chaque fois dans une classe APA bien définie que vous pouvez tester individuellement, que vous pouvez même réutiliser ailleurs dans d'autres projets. En fait, ces classes ne contiennent que l'algorithme pour effectuer l'opération. Ces classes sont également totalement stateless. En gros, donc, il n'y a pas d'état dans ces classes. C'est juste une méthode qui est invoke et à l'intérieur, je fais les opérations. Mais ça, je vous invite plutôt à aller voir le code source, vous allez comprendre un peu mieux. Elle est bien évidemment testée et typée au maximum. À l'heure actuelle, grâce à un contributeur, Alexandre Gidey, eh bien, on est en train de refaire toute la documentation et le typage de la librairie. Donc, il y a beaucoup d'activités autour du typage pour le moment. Alors, elle est basée sur quelles idées et quels concepts? Bien évidemment, sur une utilisation exhaustive des générateurs. Il n'y a que ça dans la librairie. Et ça rend l'utilisation des générateurs assez facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce sont des concepts directement inspirés du langage Haskell. En effet, en plus de faire cette librairie, j'ai eu la bonne idée d'apprendre le langage Haskell parce que, voilà, on en a discuté entre amis et ça m'a donné l'envie. Et en effet, je pense que c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées. J'ai découvert des choses que je n'avais jamais vues avant et j'ai implémenté en PHP des choses que j'ai découvertes dans le langage Haskell. Cette librairie, elle corrige aussi toutes les incohérences de PHP qu'on a vues et qu'on a discutées au début de cette présentation.
Et elle utilise des algorithmes optimisés et réutilisés partout. Donc, la librairie contient à l'heure actuelle plus ou moins 85 méthodes. Et parmi ces 85 méthodes, il y en a peut-être 3/4 qui, en fait, sont des nouvelles méthodes qui utilisent des fonctions déjà existantes dans la librairie. Donc, c'est assez pratique et le code est très, très propre. Alors, c'est utilisé par qui ? Bien évidemment, pour moi, sur des projets perso. C'est utilisé aussi, je suis employé et parmi les clients, il y a des clients en Belgique et Luxembourg qui l'utilisent parce que j'ai remarqué que parmi mes collègues, eh bien, il y en avait certains qui utilisaient ces concepts qui viennent de la programmation fonctionnelle mais qui ne les utilisaient pas à bon escient. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas leur en faire bénéficier. Donc, je leur ai montré cette librairie et maintenant, elle est utilisée sur des projets en Belgique et au Luxembourg. Et récemment, j'ai appris qu'elle était utilisée pour agréger des données sur des sites en France. Malheureusement, je ne peux pas donner les noms des sites, mais j'ai été surpris de voir le nom de ces affiches par la personne qui m'a dit cette information. Alors, un exemple trivial d'utilisation de la librairie. Alors ici, en pleine présentation, je ne peux pas faire de démo en live. Malheureusement, c'est des codes sources que vous allez voir. Mais ici, vous avez l'exemple du double flip de tout à l'heure, mais avec la librairie. Eh bien voilà, on a en données d'entrée A, B, C, D, A. Eh bien, si on fait deux fois un flip, eh bien, on retrouve A, B, C, D, A. Tout ce qu'il y a de plus logique. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Alors, un autre exemple, ici, eh bien, on utilise le constructeur statique times 1 million. Donc, en gros, ça veut dire qu'il va compter jusqu'à 1 million. Ensuite, il va appliquer 3 filtres. Il va supprimer les nombres qui ne sont pas divisibles par 2, supprimer les nombres qui ne contiennent pas la chaîne 3, 2, 1 et supprimer les nombres qui sont plus petits que 4, dont la taille est plus petite que 4 chiffres. Et ensuite, il va limiter le résultat à 1000 nombres uniquement. Et donc ça, vous avez les résultats qui s'affichent instantanément en dessous. Bien évidemment, je ne vous ai pas mis les 1000 résultats, mais voilà, c'est une partie des résultats. Alors, un autre exemple un peu plus complexe. Ici, je vais utiliser le constructeur statique fromString. Donc en gros, la donnée d'entrée, ce sera une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères, c'est simplement du lorem ipsum. Et le lorem ipsum, eh bien voilà, ça contient tout type de caractère. Eh bien, à la ligne 7, je fais un filtre pour uniquement garder les lettres de A à Z en minuscules et majuscules. Ensuite, je fais un mapping pour convertir toutes les lettres en minuscules. Ensuite, à la ligne 9, on fait une analyse de fréquence des données qui sont dans la librairie. Ensuite, j'inverse les fréquences et les valeurs. Je trie les valeurs et ensuite j'inverse ce tableau pour prendre les valeurs les plus grandes au-dessus. Et le résultat, ce sera ceci. Donc on a eu 137 fois la lettre I, 128 fois la lettre E, 96 fois la lettre T, etc. etc. Avant-dernier exemple, la suite de Fibonacci, bien évidemment, ben voilà, et ça peut s'écrire très facilement avec le constructeur statique unfold. Vous lui fournissez un générateur. Ce générateur va s'exécuter une première fois. Et le résultat de l'exécution de ce générateur va être réinjecté dans lui-même et s'exécuter de manière infinie comme ça. Alors vous allez me dire comment on fait pour arrêter ? Ben, il suffit juste d'utiliser la méthode limit qui va limiter le résultat à 10 et vous avez la suite de Fibonacci qui s'affiche. Dernier exemple un peu plus complexe et je suis désolé pour ces exemples qui ne sont pas très parlants, malheureusement c'est un peu difficile de trouver des bons exemples comme ça quand on fait une présentation, c'est toujours avec des chiffres, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de données d'entrée, le résultat d'une base de données, peu importe. Ici pour moi c'était plus simple de prendre ces exemples là, ils étaient assez courts et voilà, donc ici vous pouvez utiliser cette librairie pour trouver une approximation du nombre pi. Donc, vous lui fournissez à la ligne 5 un générateur qui est le générateur des nombres entiers, de 0 jusqu'à l'infini. Ensuite, vous faites un mapping, 3 mappings. Le premier va multiplier les nombres par 2. Le deuxième va transformer ces nombres en tableau. Le troisième va appliquer une petite opération toute simple sur ce tableau. À la ligne 14, on va déballer ce tableau. À la ligne 15, on va faire une réduction. À la ligne 18, on va faire un window. Ensuite, un drop. Et ensuite, on va continuer toutes ces opérations jusqu'au moment où, eh bien, à la ligne 21, où les deux nombres qu'il y a dans le tableau sont plus petits qu'une précision arbitraire que j'ai choisie. Ici, à la ligne 3, la précision, c'est 10 exposant moins 4, donc après 4 chiffres après la virgule. Et on voit, en effet, lorsque à la ligne 23, on demande le résultat,
eh bien, le chiffre pi est bon jusque 4 chiffres après la virgule. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le GitHub de la librairie. Donc, c'est github.com/loop/collection. Vous avez les sources, vous avez l'historique, vous avez également toute la documentation. Il y a pas mal de docs, il y a pas mal d'exemples. Récemment, j'ai ajouté un exemple pour parser du JSON de manière lazy. Il y a une librairie qui fait ça. Elle peut être interfacée avec Loop Collection. C'est vraiment super terrible. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce lien. Et pour terminer, la conclusion, je ne sais pas si je suis à l'heure, mais je pense que c'est bon. On me fait signe que ça va. Donc, la conclusion, ben voilà, quelles ont été les leçons que j'en tire de tout ça? Eh bien, moi, ça m'a permis de comprendre des paradigmes et des concepts encore inexplorés jusqu'à présent. J'ai toujours fait du PHP, donc pour moi, la programmation fonctionnelle et implémenter comme ça des éléments de programmation fonctionnelle, ça a été vraiment une super chouette expérience. Bien évidemment, d'apprendre le nouveau langage Haskell, et ça a été vraiment la grosse découverte, c'est vraiment superbe comme langage. J'ai aussi eu une capacité d'abstraction accrue par rapport aux problèmes que je rencontre. Maintenant, lorsque j'ai un problème, j'ai plus facile à découper en petits problèmes et à visualiser les transformations qu'il faut effectuer pour arriver à le résoudre. Et bien évidemment, l'emploi d'une programmation plus fonctionnelle de manière générale dans la vie de tous les jours. Alors, je vais terminer par une petite citation que j'ai vue en regardant un meet-up à Nashville l'année passée. Alors, cette citation, elle a été dite par Larry Garfield. Et le titre de sa présentation, c'était « Never use array ». Donc, en gros, n'utilisez jamais des arrays en PHP. Et il disait tout simplement, si vous voulez être un meilleur programmeur de manière générale, apprenez un autre langage que le PHP, si possible, un langage fonctionnel. Et alors, ce qui est vraiment très curieux, c'est que je suis tombé par hasard sur cette présentation. Mais moi, c'est ce que je disais toujours à mes collègues. Si vous voulez apprendre à mieux programmer, apprenez un autre langage fonctionnel, par exemple, et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus facile en PHP pour utiliser plein de fonctions que vous n'utilisez pas et qui sont là et qui sont super pratiques. Donc, merci à la FUP pour m'avoir permis de faire cette présentation, ainsi que la pizza avec supplément jambon. Vous, pour m'avoir écouté, bien évidemment, c'est ma première présentation à la FUP, j'espère que ce n'est pas la dernière. À mon entourage, pour toujours m'encourager et me donner du temps à mes passions, et à mes amis qui m'ont ouvert les yeux sur une autre manière de programmer. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci. Du coup, je crois qu'on a quelques questions. Oui, on a en effet une question. Deux questions maintenant, de mieux en mieux. Alors, la première question, dans les collections paresseuses, on n'a visiblement plus la contrainte de clé unique pour accéder aux éléments avec le tableau contenant deux clés nommées A. Du coup, comment accède-t-on aux éléments d'une collection paresseuse vu qu'une clé référence deux éléments distincts? En effet, eh bien, il y a plusieurs manières d'y accéder. Il y a des fonctions qui sont disponibles pour y accéder. Mais c'est juste que dans le monde de PHP, on a l'habitude d'accéder à certaines valeurs par leur clé. Eh bien, tout ça, ça devra changer avec des collections paresseuses et il est possible qu'une clé référence deux valeurs. Ça, c'est aussi peut-être un désavantage aussi, mais moi, personnellement, je le vois plutôt comme un avantage. Mais ça, je pense que c'est une manière d'utiliser, c'est une manière d'utilisation et c'est une question d'habitude, je pense. Il y a des méthodes dans cette librairie qui vous permettent d'aller chercher soit l'index 10 ou bien trouver la première valeur qui est égale à et reprendre la clé. Enfin, il y a plein de manières de faire ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais est-ce que la personne peut répondre? On verra sur le chat, okay. Éventuellement. Et... Ok. Nous avons une deuxième question de la même personne. Est-ce que nous avons des contraintes au niveau de la mémoire avec les collections paresseuses? Alors oui, il y en aura toujours des contraintes au niveau de la mémoire. C'est juste que, je ne sais pas si vous avez vu dans l'exemple, dans la présentation, mais j'utilise la fonction range avec 0,1 million, bien 1 milliard je pense, et là on a une fatale erreur. Mais pourquoi? Parce que j'essaye de créer d'abord un tableau, ce tableau de l'injecter dans la collection. Mais en fait, ça c'est directement voué à l'échec. Et quand on utilise une collection, une lazy collection, quelque chose de paresseux, du code paresseux, eh bien, il faut réfléchir un peu différemment. Alors, l'utilisation de la mémoire, bien évidemment, elle va être là, mais elle va être
constante. Donc, c'est-à-dire que vous ayez un input dataset de 10 items ou bien 1 million d'items, eh bien, la mémoire va toujours être de la même manière. Il n'y aura pas de différence en quelque sorte. Mm-hmm. Du moins très peu. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour cette conférence très intéressante. Merci à vous. Super. Maintenant, nous allons attaquer la keynote de clôture qui aura lieu dans cette même room. Alors, je vais juste partager du coup les slides. Yep, là. Et nous allons pouvoir clôturer cet événement. Alors, partager l'écran. Eh bien, bonjour à tous. Première fois que j'apparais sur cet écran aujourd'hui. On était plutôt à l'arrière aujourd'hui, en train de vérifier que tout se passe bien, les changements d'écran, accueillir tout le monde sur les scènes. J'espère que ça vous a plu cette journée. Donc Grégoire Hébert, qui est bénévole sur l'antenne Lille. Et je vois que nous avons également Fred qui vient tout juste de nous rejoindre. Ouais, je viens d'arriver, on est désolé, notre quiz a pris du temps, mais vous savez, on était avec Damien Segui, avec Armel Fauveau, le premier président de la FUP, et Vincent Pontier, le créateur des éléphants. On a fait gagner des éléphants, et bien évidemment, ces messieurs parlent beaucoup, mais je parle beaucoup aussi. Ah, mais c'est super chouette, les éléphants. Cool. Ouais, et on a gagné, il y avait des dessins à gagner, et vous savez qui c'est qui a gagné, qui est en premier? Eh ben, c'est Magali, notre speaker, qui a fait sa première conf aujourd'hui. Donc c'est elle qui a gagné un éléphant. Enfin, ils sont cinq à avoir gagné les éléphants. Ah, c'est super. Éléphant dédicacé de Vincent en personne. Avec les dessins, ce sont des dessins dédicacés, dessins originaux. Alors je pense que vous renvoyez la balle entre Damien et Fred pour savoir lequel qui des deux parle le plus. Je vous laisserai faire un débat là-dessus entre vous lors d'un prochain. Oui, mais moi j'animais, c'est pas pareil. Du coup, comme je l'avais présenté très rapidement tout à l'heure, allez noter sur JoinedIn, particulièrement du coup pour Magali, où tu as dit que c'était sa première conférence. Pour nous, on avait également Myriam, où c'était sa première conférence. Allez particulièrement noter cela, mais également tous les autres, ça leur donnera des retours. Oui, parce que ce ne sont pas les seuls à avoir la première conférence. Hein. Ulrich de notre côté, Tony aussi, c'était sa première conférence. On a eu plusieurs. D'ailleurs, ils ont bénéficié d'accompagnement. Et même pour ceux dont ce n'est pas la première conférence, n'hésitez pas à leur donner leur retour. C'est assez difficile pour les conférenciers et les conférencières en ligne de voir un petit peu comment est-ce que vous ressentez un petit peu tout ça, comment est-ce que vous comprenez les conférences. Tout à l'heure, on a eu un retour de Grégoire qui nous disait qu'il aimait bien voir les petits emojis apparaître au niveau de l'écran Livestorm. Ça lui donnait un peu un ressenti sur comment est-ce que vous compreniez tout ça. Mais du coup, la prochaine étape pour vous, membres de la FUP et spectateurs et spectatrices, c'est d'aller sur JoinedIn et de leur mettre un petit peu vos ressentis, vos conférences, vos commentaires, savoir comment vous avez apprécié tout ça, etc. Ça y est, t'as déclenché les emojis, la joie. Il en faut plus encore, il n'y en a pas assez. Spammer. Du coup, en parlant de ces retours et des speakers, des conférenciers et conférencières, merci beaucoup. Merci beaucoup à ces 20 speakers qui nous ont accompagnés pour la track Lille et la track Rennes. Yes, merci aux sponsors également, hein, à Vanois, Klaxoon, Les Tilleuls et Les Psy qui nous accueillent ici à Rennes. Vous êtes chez Les Tilleuls, c'est ça, hein? Non, on est chez Les Tilleuls, là, oui. Chez Les Tilleuls, mais je crois qu'à Toulouse et Tours, ça sera à Les Psy aussi. Enigma, Max Digital également, Sensio, Vestiaire Collectif. Et par contre, je ne connais pas le logo. Orbital. C'est Orbital. J'avais des choses à dire, moi, parce que vous m'attendez là, mais moi, je... pour, ceux,
Je crois que pour la keynote de clôture, j'ai à part dire merci, je crois que j'ai rien préparé. Merci beaucoup à l'équipe bénévole, l'équipe bénévole de Rennes, l'équipe bénévole de Lille, le bureau AFUP. Donc vous voyez ici les images, les photos en fait de l'équipe AFUP qui a permis d'organiser cette journée. Rendez-vous très bientôt pour le prochain meet-up dans vos villes respectives et je vous rappelle que les élections des listes AFUP 2021 et 2022 ont lieu très prochainement. Donc surveillez les événements AFUP de vos villes. Les élections seront disponibles jusqu'à fin septembre. Et enfin, merci beaucoup à vous tous. Vous avez été plus de 300 aujourd'hui sur l'AFUP des Lille-Rennes. C'est un nombre vraiment impressionnant. Merci d'avoir été si nombreux. Bien que l'événement soit en ligne, c'est bien que vous avez réussi à être actif. Je vois que les emojis, ça continue toujours de fuser. C'est génial. différents sponsors avaient organisé des tombolas. Nous avions une tombola, un concours de Sensiolabs et de Max Digital. Donc félicitations à Anne-Laure Deboissieux qui a gagné le concours de Sensiolabs et félicitations à Magali Milberg et Mathieu Santos-Stéphanie qui ont gagné Magali chez Max Digital. Apparemment, Magali, elle a gagné partout. Elle gagne tout. C'est quoi cette histoire? Du coup, je pense que les sponsors vont revenir vers vous. N'hésitez pas à les contacter pour réclamer vos prix. Yes. N'oubliez pas, le 11 juin, dans un peu plus d'une dizaine de jours, aura lieu la deuxième journée de la FUBD. La FUBD Toulouse-Tours. Il reste encore des places. La billetterie est ouverte jusqu'au 8 juin. Donc profitez-en. J'espère vous voir encore plus nombreux ce jour-là, mais cette fois-ci, ce ne sera plus ni Fred, ni Grégoire, ni moi qui vous accueilleront, mais ce seront les antennes de Toulouse et de Tours, et on espère qu'ils feront un AFUBD encore plus dynamique et encore plus génial que celui qu'on vous a organisé aujourd'hui. Pour l'instant, il y a 18 conférenciers qui sont prévus, et je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises également. Vous pouvez retrouver cette journée sur Twitter, sur le hashtag AFUBD, et sur les comptes Twitter AFUP, AFUPO de France, et AFUPREN. Merci à tous. Fred, tu as un dernier mot ? Oui, en fait, les personnes qui ont gagné, je vais essayer de les recontacter parce que j'ai leur nom, mais ce n'est pas toujours évident. Mais ceux que j'ai listés tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter, en tout cas à contacter AFUP Rennes en message privé sur Twitter pour que l'on puisse se mettre en relation avec vous, prendre votre adresse et vous envoyer vos petits cadeaux à vos éléphants. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas à partager vos impressions sur Join-In, également sur Twitter avec le hashtag AFUBD. On peut continuer, en tout cas, si vous avez quelques images qui sortent. Et puis, on attend avec impatience les vidéos. Parce que voilà, l'objectif, en tout cas, c'est derrière, pour nous, l'AFUP, c'est, comme je disais au tout début, promouvoir la connaissance, en tout cas, au niveau de PHP. Et donc, c'est pour ça que les vidéos ne sont pas réservées aux gens qui viennent à l'AFUBD. Donc c'est pour ça qu'on vous met aussi d'autres choses en plus des vidéos, mais les vidéos, on les mettra en ligne assez rapidement d'ici quelques semaines. Voilà. Parfait. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir à tous. Et à bientôt.